Good morning, Aleidan, les Juifs, aujourd'hui, le Nishmat Abraham Chai, Norbert, Ben Fortune, Mazal, Chaya, Batrova et Rachamim Ben Rosa. Ce que c'était aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contacté à 5 minutes éternelles, nous étions à Maseret Behorot, Perigvav, Mishnafet, Nishbar, Etzem Yado, Vetzem Raglo, Af Alpi, Shenonika. Moumin Elo, Mana, Ila, Beyavne, Vodulo, Chachamim, Veod, Osif, Shlosha, Vod, Shlosha, Osif, Amrolo, Losha, Manuet, Elo. Et chez Galgal Eno Agol Keshel Adam, ou Pif Domé Lechel Chazir, mais chez Nital Rov Amedaber Shel Leshono, ou Bet Din Shel Acharen Amrou, Arei Elu Moumin. On commence, on continue, bien sûr, dans le Perek Vav, on apprend tous les défauts qui invalident un korban pour le Misbéach, et donc la Torah a insisté pour tous les korbanot, ce qu'on apporte, hein, Tamim, Zachar Tamim Yakevenu. Toujours tamim. Le mot tamim, c'est-à-dire entier, complet, parfait, qui n'a aucun défaut physique, même si l'animal il est cachera à la consommation, il n'y a aucun problème, mais pas pour le misbéar, ce n'est pas digne d'apporter quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'a aucun défaut. D'accord ? On a appris maintenant, depuis le début du chapitre, plusieurs sortes de défauts dans tout le corps, et maintenant, on va découvrir deux familles encore de défauts. Nishbar etzem yado etzem raglo, si c'est cassé l'os de la main ou l'os du pied. Afalpi shenonika, bien que l'on ne parvienne pas à le constater. C'est-à-dire, on s'explique. Imagine un animal qui s'est cassé un os, il n'est pas taref, il est cachère, on peut lui mettre un plâtre à l'animal, il ira mieux demain. D'accord ? Mais pour le moment, en tout cas, le pied cassé, c'est en soi-même un défaut. Mais même si l'animal parvient à rester debout sans qu'on constate qu'il a un problème, mais dès qu'il va commencer à marcher, on va voir qu'il boite, donc il a la jambe cassée, ou le bras, c'est-à-dire la patte avant cassée, dans ce cas-là, ça invalide pour le misbéach. D'accord ? En vous parlant, je me suis soulevé une question que je n'ai pas vue, j'ai rien vu qu'on parle de ça. Qu'est-ce qui se passe si l'os il a guéri, c'est-à-dire si on lui a mis un plâtre par exemple, et que l'os il s'est ressoudé, donc il boite plus du tout, est-ce que ça devient permis ? Je ne sais pas du tout, selon ma logique. Ça devrait être malgré tout invalidé, étant donné que si c'était encore validable, donc ça s'appellerait un moum over, un moum qui peut encore revenir être réparé, je ne sais pas. Bonne question, je ne sais pas quoi vous dire. On continue sur une deuxième série. La Mishnah nous raconte, Moumin Elou, ces défauts-là qu'on vient d'évoquer, qui sont les pattes cassées avant, arrière, ces défauts-là, Mana Ila Beyavne, Ila, c'était un docteur, un vétérinaire plutôt même, je suppose. Je ne sais pas si c'est l'époque différenciée en fait. Je pense que celui qui guérissait, il guérissait, et ça ne changeait pas les hommes ou les animaux. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on a rencontré depuis le Perek Dalet. On a vu là-bas, Ila Beyavne. C'était un docteur sur lequel se fiaient les Rabbanim, les Tanaïm, et qui était expert dans tous les défauts des Korbanot. Donc, Ila à Yavne, dans la ville de Yavne, il avait explicité justement ces deux défauts qu'on a évoqués, les pattes cassées. On dit oui, tu as raison, c'est très vrai ce que tu dis. Par contre, il a rajouté encore trois autres défauts. Veod Shlosha aussi, il a ajouté encore trois autres défauts. Et là, Chachamim lui ont retorqué, Amroulo, ils l'ont dit, Lo Shamanu et Telo. Cela, on ne les a pas entendus. Nous, on peut dire que ce qu'on connaît, ce qu'on a appris de nos Rabbanim. De nos Rabbanim, on a effectivement appris tous les défauts qu'on a évoqués depuis le début du Perek. On a même appris ceci que tu rapportes les pattes cassées avant ou arrière. Mais par contre, les trois autres que tu veux rajouter, ceux-là, on n'a pas eu de tradition, de transmission sur eux. C'est quoi ces trois-là qu'il a ajouté, il a, que finalement, la Mishnah, on verra que la génération d'après, ils ont malgré tout cautionné les paroles de Ila en affirmant que, en approuvant que c'était effectivement des défauts qui ont validé pour le Misbéach. En tout cas, de quels défauts on parle ? Et chez Galgal Eno Agol Keshel Adam. Je traduis d'abord. Et j'ai fait des petites recherches internet histoire de comprendre un peu mieux de quoi on parle, mais j'ai rien trouvé de concret quoi. C'est, j'ai plusieurs options, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire. Regardez, Eche Galgaleno, celui qui a le rond de l'œil. Je préfère traduire le rond de l'œil d'ailleurs, parce que je sais pas si on parle de l'iris ou si on parle de la partie blanche, du blanc de l'œil. En tout cas, Eche Galgaleno Agol Keshaladam, celui qui a l'œil, un animal donc, qui a un œil rond comme celui de l'homme. Donc, vous comprenez, l'animal est censé avoir un œil différent, une forme différente de l'œil, et on se retrouve avec un animal qui a un œil comme celui d'un homme. Ça implique quoi ? On va revenir dessus. Pour le moment, j'avance dans la Mishnah.
Opiv domé l'échel chazir, ou encore sa bouche qui ressemble à celle d'un halouf, un cochon. Qu'est-ce que c'est la bouche d'un cochon? On en parlera plus longuement dans la prochaine Mishnah, justement. C'est qu'il a la particularité, le chazir, d'avoir la lèvre supérieure bien plus grande que la lèvre inférieure. Et donc il a la bouche qui se finit comme quelqu'un qui a une grosse moustache comme ça. Ouais, si quelqu'un a une tête pareille, vous pourrez lui dire qu'il a une tête de chazir. Non, chazir shalom, si c'est un bon juif, ne lui dites surtout pas ça. En tout cas, il a la lèvre inférieure qui lui descend apparemment sur la bouche. On parlera dans la prochaine Mishnah des différents cas de figure à double sens. De sortes de figures, en fait. Deux cas de figure avec la lèvre supérieure qui descend plus bas, la lèvre inférieure qui remonte. On en reparlera plus longuement. Pour le moment, la Mishnah juste me dit, pour le moment, sur ça, il y avait une discussion, justement. Il est venu, il nous a dit, tu sais, si tu vas voir un bœuf, le bœuf, il doit avoir la bouche, le mâchoire inférieure équivalente, qui arrive en même temps, au même endroit, plus ou moins, que la mâchoire supérieure, et se faire ensemble. Il y a les lèvres une sur l'autre, et voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas une qui déborde complètement sur l'autre. Donc, si la supérieure déborde sur l'autre, ça s'appelle une bouche de chazir, et ça invalide selon Ila. Les premiers chachamim de Yavne n'avaient pas de tradition sur ça. Et encore le troisième cas de figure, le troisième défaut qu'il a évoqué Ila, c'était Veshinital Rov Amedaber Shel Lechono. Littéralement, c'est qu'il a été retiré la majorité de ce qui parle de sa langue. C'est-à-dire, ce qu'on parle dans une langue, vous savez bien. Essayez de parler avec la langue paralysée, vous allez voir. Ça va pas marcher. Donc, la partie de la langue qui marche, c'est justement la partie libre qui n'est pas rattachée sous la langue. Vous voyez, la langue, elle est rattachée en dessous. Voilà, je ne sais pas comment dire, la mâchoire intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur. Et toute la partie qui est décollée, qui se promène, le muscle qui est libre, eh bien, si la majorité de ce muscle, elle a été coupée, alors là, c'est un défaut qui est invalide selon Ila. Sur ça, Ramim nous dit, nous, on n'a pas reçu de tradition sur ça, on n'en sait rien. Et malgré tout, au Bet-Din chez la Charienne, le Bet-Din qui est venu ensuite, après ce premier Bet-Din, Amrou, ils ont dit, Aré et l'Omomine, ils ont cautionné qu'effectivement, ce sont des bons défauts. Ce sont des défauts qui invalident, et donc on pourra égorger le Bechor avec ces défauts-là, puisqu'il est devenu inapte à monter sur le Misber. D'accord. Pour l'histoire du... Je reviens maintenant sur l'histoire du rond de l'œil. Qui est pas rond comme celui d'un animal, mais plutôt comme celui d'un homme. D'après ce que j'ai compris du Barthénora, c'est qu'on parle que... C'est vrai, aussi, je me suis un peu aidé des petites Wikipédia essentiellement, quoi, que l'œil de l'animal, pas de tous, de la vache spécialement, apparemment, hein, l'iris, il remplit quasiment le lobe, c'est-à-dire c'est vrai qu'il a une petite trace blanche autour, mais c'est très petit par rapport à l'iris remplit quasiment tout l'œil, il est quasiment tout noir, et un tout petit peu de blanc autour. J'imagine qu'en fait un œil comme un homme ou pas comme un homme, j'imagine, tel que j'ai compris, mais je suis pas sûr de mon coup, apparemment il y a deux manières d'interpréter, mais j'ai pas réussi à accrocher, quoi. En tout cas, c'est que justement, par rapport à l'œil du cheval par exemple, apparemment dans le cheval c'est plus fréquent de voir qu'il a plus de un rond plus blanc autour de l'œil. Vraisemblablement, c'est ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, donc, il a un œil qui ressemble à celui d'un homme, qui a beaucoup trop de blanc, d'accord. Et puis, c'est tout, quoi, en fait, on a tout expliqué, tout le reste. Donc, pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.